Bonjour tout le monde, c'est Guidec62. Bon bah on est parti pour la deuxième étape. Alors voilà, je vais essayer de faire toutes Bonjour à les toutes étapes. et à tous. Bienvenue en Bretagne et plus précisément dans le département des Côtes d'Armor. Avec une arrivée prévue au sommet de la côte du Mur de Bretagne, il ne fait aucun doute que le vainqueur du jour figure parmi les excellents puncheurs du peloton. J'essaie de me rapprocher de devant. Les gars, aujourd'hui c'est quasi tout plat jusqu'au circuit final. Faudra monter deux fois Mur de Bretagne dans l'ascension finale et tout devrait se jouer pour la victoire d'étape. Bonne journée. On va suivre le maillot jaune. Tentative d'échapper. Allez les gars, on continue comme ça. Son équipe s'est mise à la planche. Ils n'ont personne à l'avant. Allez les gars, on continue comme ça. Allez les gars. Ah, il n'y a pas grand chose à faire au début. Par contre, après, ça s'enchaîne, hein, les trucs pour les points. Bon, ça va, l'étape précédente, j'avais fini sixième. Ça va. Enfin, je vais peut-être avoir du mal à finir premier. Mais en général, bon, y a moyen. Accélération, il a dû recevoir la consigne de jouer les points du classement de la montagne. Ah, là ils sont partis à pas mal là. Oh, tout le monde s'en va quoi. Là ça part un peu en couille. Bah moi je vise plus sur le maillot jaune l'arrivée quoi. Allez les gars, continuez comme ça. Bah après, si je peux prendre quelques points, je les prends, mais bon après c'est sûr qu'il faut faire partie des échappées quoi. Pour gagner des points. L'échappée n'aura pas été loin. Attention maintenant aux contre-attaques. Attaque. Attention, il vise le maillot à poids. Attaque. Lâchez rien, allez.
Il n'y a pas d'autre échappée que les deux devant, du coup. Il n'y a plus d'échappée. Ok, d'accord. Attaque, attention, l'attaque, c'est ceux qui étaient échappés, quoi. Les mecs, ils sont rattrapés, ils arrivent en Attention, il vise le maillot à poids. Attaque. Elles vont se crever, eux. Bravo, les gars. Cette étape doit faire partie de ses objectifs, car ses équipiers gèrent déjà l'écart. Les échappés creusent l'écart. Ils ne sont pas dangereux au général, on peut laisser filer. Le leader fait rouler son équipe très tôt pour gérer l'écart. Pour l'échapper, c'est bien parti. C'est un pur rouleur qui compte sur sa puissance pour faire la différence. De toute façon, il n'a pas trop le choix vu ses qualités de sprinter. En faveur de l'échappée, c'est peut-être la bonne. Bah, comme d'habitude, et on s'est rattrapé après. Julien Simon fait partie des bons punchers, capables de bien manœuvrer dans un final vallonné. Attention à lui en cas d'arrivée en petit comité. Puncher, qui roule aussi très bien sur le plat. Non, ça fait du bien quand même quand c'est dans le calme. Et quand on passe dans la ville, waouh. Les oreilles, quoi. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Je sais même pas si dans les échappées il y a des Cofidis. Je crois pas. Écart stabilisé. Bon, il y a que 2 minutes. Il reste encore 150 km. Ça va, quoi. Continuez comme ça! Allez, les gars! Allez, allez, allez! Allez, vite, plus vite!
comme ça. Bravo. Lâchez rien, allez. Courage. Allez les gars, courage. Allez les gars, on continue comme ça. Bravo les gars. Allez les gars, courage. Bravo les gars, c'est bien. On continue. Allez les gars, on continue, c'est bien. Allez. Bravo les gars. Continuez comme ça. Allez les gars, on continue comme ça. Allez les gars. Devant, c'est le mieux placé au général. Continuez comme ça! Continuez comme ça! On a des fois des bien placés, mais j'ai l'impression que mon équipe c'est pas ouf hein, non plus. Ah là, enfin l'équipe. Ils sont 5 à côté là avec moi devant. C'est bien ça. Bravo les gars, c'est bien. Ah, parce que l'équipe c'est pas la folie quoi. Je vais avancer, je vais suivre quelqu'un qui est plus devant. Voilà, j'aime pas trop rester derrière quoi. De toute façon, l'avance qu'ils ont, ça va baisser parce qu'après, avec tous les sprints, les machins, les trucs pour gagner des points et tout, ça va avancer un peu plus. Il n'y a plus d'énergie, lui, ou... L'étape n'est pas très animée. Si tu penses qu'il ne va rien se passer d'important, tu peux accélérer le temps jusqu'au dernier kilomètre. Allez les gars, courage, on continue. Allez les gars, courage. Allez les gars, courage. Allez les gars, allez les gars, allez, on continue comme ça.
accélère un peu là. Ah, l'écart, il est pas extra, quoi. Les échappés creusent l'écart. Ils ne sont pas dangereux au général. On peut laisser filer. Assure la poursuite de l'échappée. L'écart reste stable entre le peloton et les échappés. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'écart, il veut pas se faire piquer le maillot jaune. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Protéger le leader, les gars. La communication est importante. L'oreillette est là pour ça. Les 100 derniers kilomètres, ça va être intense quand même. Avec tous les points. Tous les endroits qu'il y a à franchir là. Ah, c'est con, c'est que la meilleure façon de gagner des points dans ces trucs-là, c'est d'être dans l'échappée, quoi. Ouais, ils ont à peu près 2 km d'avance. L'écart augmente. Pas de quoi s'affoler, les gars. Il n'y a personne de dangereux pour le général. Moi, je vais attendre un peu. L'échappée aborde le premier Grand Prix de la montagne de cette étape. Il y aura un point à glaner pour le classement du maillot à poids. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échappée. Moi, souvent, j'attends qu'il reste 2 km à peu près. Ah, il est sérieux quand même, il m'a coupé la route. Voilà le classement du dernier grimpeur. Allez les gars.
Voilà. Continuez comme ça. Allez les gars. Bravo les gars. Allez, j'ai regagné mon énergie, tranquille. Je sais pas si j'ai gagné des points, mais j'aime bien passer premier du peloton. Ouais, ça reste stable quoi. 2 minutes 20 et quelques à chaque fois. Bravo les gars. Continuez comme ça. Allez, 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 allez les gars, courage. Lâchez rien. Allez. Bravo. Allez les gars, courage. Continuez comme ça. Les voilà. Continuez comme ça. Courage, on continue. Allez les gars. Allez les gars, courage. Allez les gars, courage. Allez les gars, allez go go go. Allez, on y va. Allez les gars, on continue comme ça. Bravo les gars, c'est bien. Allez le go. Allez les gars, courage. Allez les gars, on continue comme ça. Courage, on continue. Lâchez rien, allez. L'écart reste stable entre le peloton et les échappés. Ouais, ça bouge pas. Les échappés accélèrent le rythme en tête de course. 2 minutes 20, 2 minutes 30. Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. Bah, elle accélère, mais elle prend pas d'avance. En plus, donc... Elle se fatigue plus vite. Bah là, je pense que ça va baisser
l'avance de l'échappée, parce que comme il y a 4 trucs quasiment à la suite. Surtout où il y a le S, le sprint là. Ils ont tous sac et dedans comme des cingouins. Ah, tu peux être sûr que l'avance ça va baisser. Ouais, ils prennent un peu d'avance, ils vont arriver à 3 minutes quoi. À l'étape précédente, je crois, il y avait plus de 5 minutes, je crois. Donc 3 minutes, c'est cadeau quoi. Ok, ils sont déjà arrivés dans les 5 km quoi. L'échappé ne devrait plus trop creuser l'écart, car il a mis ses équipiers à rouler. La prochaine côte est classée en 4e catégorie. Il y aura donc un point en jeu pour le classement de la montagne. Ah, ok, ils ont 2,5 km d'avance. Ça va. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. L'avance de l'échappée diminue. Ça va être difficile pour eux. Ouais, c'est ce que je disais. Ça diminue, logique. Logique, ça diminue. Parce que là, et là, il y aura bientôt un autre truc encore. Là, les gens, ils accélèrent. Il y a des machins à passer. Continuez comme ça! Continuez comme ça! Allez, courage, on continue, les gars! Allez, les gars! Mais il m'a l'air d'être. Il est tout seul ou il y a un 3? Dire qu'ils sont 3 ou. Bah, moi je suis en quelle position? Je suis 5ème. Ouais, donc ils sont 3 devant. Ok, donc le 3 c'est le nombre qui sont dans l'échappée quoi. Okay. Nouveau classement de la montagne en vue pour la tête de course. Une fois encore, il y aura un point à récolter pour le coureur qui passera en tête. Moi je prends pas de points mais j'aime bien.
Puis ça fait un peu accélérer les autres aussi, quoi. T'as les tournants qu'ils mettent, quoi. Ils reprenaient de l'avance. Après, il reprend de l'avance parce que là, on a une grosse pente. On prend les commandes du général. C'est bien, continuez comme ça. Voilà. Voilà, il me suffit, là. Les hommes de tête entrent dans la zone de ravitaillement. Ouais, ils m'ont marqué comme échappé, mais sauf que moi, je suis pas échappé, moi. Voilà. Ouais, là, il y a eu une petite montée. Je pense que le peloton, il a pété, quoi. Ouais, voilà. Sont 3, nous dans le peloton où on est 45. Après il y a un peloton de 12 et un peloton de 124. Ah, c'est la montée, elle a tout pété, quoi. Ah, il y a quasiment 30 secondes sur sur le deuxième peloton, quoi. Quand même. Il a demandé à ses gars d'assurer le tempo. Surveillez-le. Il doit se sentir en mesure de gagner l'étape. Bon, ils vont être rattrapés de toute façon. Là, ils ont perdu une minute. Les 3-2 devant. Par contre, ils prennent du retard, le deuxième peloton. Ouais, quasiment 40 à 50 secondes. Là, il s'est bien pété pendant la montée. Bah, moi, c'est parce que j'ai ralenti, sinon j'étais parti tout seul. Mais moi, je préfère faire une bonne fin d'étape. Parce que comme je connais pas vraiment trop le jeu, même dans les échappées, j'ai peur de partir et de flinguer toute mon énergie et de me retrouver à finir dernier parce que j'aurais fait le sauvage, quoi. Mon équipe roule pour classement général. Ouais, le deuxième peloton est rattrapé le premier peloton, ça va. Allez. Ça risque de faire mal, c'est quand on va arriver vraiment dans les montagnes, quoi. Parce que là, la petite montée là, ça a tout pété, quoi. Là, ça va, le peloton, il est complet, là. Échapper a peu de chance d'aller au bout, les gars. Faites attention au contre. Puis moi, après, j'essaye de... Je fais pas d'échapper, mais j'essaye d'être constant dans chaque étape. Parce que, en fait, les échappés, les trois quarts, en fait, ça va être des... c'est pas des forts. C'est des ceux qui vont être...
qui vont être lâches à la fin. Les équipiers accélèrent. C'est sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Allez, continue comme ça. Allez les gars, courage. Bravo les gars. Allez les gars, courage. Ouais. Continuez comme ça. Allez les gars, courage. Allez les gars, courage. Bravo les gars. Allez. Allez les gars, courage. Bravo les gars, allez-y, allez-y. Lâchez rien, allez. Allez. Je sais pas combien qu'ils ont de kilomètres d'avance. Les chapiers résistent bien au retour du peloton. L'écart semble stabilisé. 1,6 km. 1,6 km d'avance. L'échappée est à 3 km du sprint. Avant, ils avaient 2,5 km au dernier machin. Ça s'en fait manger 1 km. Allez les gars, allez les gars, allez, go, go, go. Allez, on continue. Allez les gars, courage. Allez les gars, courage, on continue. Allez les gars, courage. Allez les gars, c'est bien. Une minute trente de retard pour le peloton sur la tête de course. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Il essaie de sortir du peloton. Attention, on a bientôt plus d'énergie pour attaquer. Je sais pas si j'ai gagné des points, mais j'ai fait le meilleur que je pouvais. 12e, j'ai eu 4 points. Non. Non, je suis arrivé avant. Avant, 12e. Je suis arrivé dans les. Il y avait 3. Il y en a 3 dans les échappés. Il y en avait 3 dans les échappés. J'ai dû arriver 4. J'ai dû arriver dans les 7-8e. Ça va. J'essaie de me. De me remettre un peu devant. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Ouais, mais ils réussiront pas aussi. Eh ben. Allez, je me colle là. Chrome, ça me dit quelque chose, ça. Ça doit être un peu plus ancien. Ça serait bien, c'est qu'il soit rattrapé, l'échappé avant les points de la fin, là. Comme ça, si ça peut me permettre de gagner quelques points, je prends. Par contre, il y en a, ils ont lâché l'affaire. Là, le Bennett, il a plus de 2 minutes dans les pattes. McLay, on parle même pas. Là, il y en a, quelques-uns qui ont lâché l'affaire. Ah, là, il y aura deux pelotons. Là. Ah, là, ça s'est recassé un peu avec le sprint. Bon, après, le deuxième peloton, je pense qu'il va recoller au premier, ça n'a pas de problème. Mais par contre, les autres qui ont lâché l'affaire, là. Ouais, je sais quoi, c'est ce que je disais, le deuxième peloton, il l'a récupéré. Mais les trucs genre la mini, là. Lui, 4 minutes et quelques, waouh. À mon avis, ça sent l'abandon, ça sent le bout du classement. Bah moi, j'ai pas l'habitude de jouer à ce jeu-là, donc je vise pas forcément la première place, parce que... Mais bon, si je peux essayer de faire un bon petit résultat, quoi... Donc là, c'est dans les 5, 6, tout ça, bon, je suis content. Allez les gars, courage. Après, j'ai peut-être pas pris non plus la meilleure équipe non plus, quoi. Je veux dire, Martin, c'est peut-être pas le plus fort du jeu non plus, quoi. Donc après, peut-être ça aussi, ça joue. Après, je sais pas. Bon, là, ils vont être rattrapés avant. Dans les prochains trucs, ils sont rattrapés, il reste plus qu'une minute.
Une minute, c'est rien. À part si le peloton, il arrête quoi de rouler. Comme là, un peu. Allez les gars, courage. Courage, on continue. Mais voilà. Faites pas les cons, comme ça, je peux essayer de finir premier au truc de pointage. Mais bon, moi je préfère rester dans le peloton, comme ça au moins c'est constant, parce que le gars là qui est dans l'échappée, il va se faire le maximum de points en plein truc, mais derrière, est-ce qu'on va le revoir? Parce que si le gars il finit premier dans tous les trucs d'arrivée, sauf à la fin, parce qu'à la fin souvent l'échappée elle est rattrapée. Mais le gars il aura peut-être plein de points, mais si derrière le mec il finit 50e à la prochaine étape, ça sert à rien. Par contre de la mini, lui, Bennett et Van Poppel, là. Van Poppel ils sont deux. C'est dur. C'est dur pour eux. Bah là, l'échappée, de toute façon, 44 secondes. Bah, c'est mort pour eux. Surtout que là, après, il va y avoir 3 pointages, là. Ils sont pas bons pour eux, quoi. Ah ouais, ils sont juste devant là-bas. Ah bah, ils sont morts. Ils vont se faire manger. Ouais, ils sont en train de se faire manger. Continue comme ça, allez. Allez les gars. Ça s'éclate quand même hein, derrière. Ah, y en a, ils sont au bout de leur vie, quoi. Eh, lui, lâche l'affaire, lui. Le From, là. Échappez, un peu de chance d'aller au bout, les gars. Faites attention au contre. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Les coureurs ne vont plus tarder à arriver au pied de la côte de Mur. Mais avant ça, il leur restera un petit classement de la montagne de 4e catégorie à disputer. Attention, il attaque. Il essaie de sortir du peloton. Ah, dur. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Le premier passage au sommet de Mur de Bretagne permettra de marquer des points pour le classement de la montagne. Mais il permettra aussi d'empocher des bonifications pour le classement général. 8, 5 et 2 secondes pour les trois premiers au sommet. Peloton groupé, seuls les coureurs encore frais pourront faire la différence dans le final. Il vous reste 2 km avant d'arriver au grimpeur. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Vite, plus vite.
Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Vous avez 30 secondes sur le peloton. Le premier passage de Mur de Bretagne est maintenant terminé, mais ce n'est pas la fin des difficultés puisque les coureurs enchaînent immédiatement avec la côte de Saint-Mailleux. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. Allez, continue comme ça. Il y aura un point à prendre pour le maillot à poids en haut du prochain grimpeur. Vous avez 30 secondes d'avance. Il fait rouler son équipe car c'est un des favoris de l'étape. Il devrait se débarrasser de lui. Il roule car c'est un danger pour le général. Là, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus que l'arrivée. Il faut que j'essaye de recharger les batteries jusqu'à l'arrivée. Il reste seulement 10 km avant l'arrivée. Là, j'ai gagné quelques trucs. Donc, c'est bien quand même. Là, il faut que j'essaye de récupérer le maximum d'énergie pour l'arrivée. Pour être le mieux classé possible. Bah, il est bien, il lâche l'affaire comme ça lui. Allez, on va suivre le maillot jaune comme ça. Allez les gars. Allez, on essaie de récupérer elle. À la première étape, j'avais. C'est un peloton groupé qui devait aborder le pied de Mur de Bretagne dans quelques instants. Le sprint. J'avais plus d'énergie à la fin. Je crois que j'avais parti à 3 km, un truc du genre. J'ai vu tout le monde partir. Du coup, j'ai pas paniqué. Bah, si, j'ai paniqué un peu. Du coup, je les ai vus tous partir. Je me suis dit, oh là là là, faut pas que je me prenne de. Bah. De retard, quoi. Allez, les gars, on continue comme ça. Je me suis retrouvé cramé, quoi. Ouais, comme là. Il essaye de sortir, attention. Allez, c'est parti pour l'homme de tête. Il entame la montée finale. Il essaie de sortir du peloton. Pour l'instant, c'est lui le maillot jaune virtuel. Ce n'est pas toujours idéal d'être en surnombre dans une échappée, car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous. La flamme rouge est en vue pour les hommes de tête. Et c'est au sprint que va se jouer la victoire. Dernier kilomètre, ça semble mission impossible. Dernier kilomètre, allez les gars. Yes. Elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Franchement, c'est magnifique. J'aurais jamais cru. Ah, j'ai quand même bien géré l'épreuve quand même. J'ai gratté quelques points dans les points de passage. Je suis arrivé premier à la fin.
Bon, je serai pas premier parce que j'ai pas dû mettre d'écart au maillot jaune vu que je l'ai vu, il était pas loin. À la limite, je lui ai mis 2 secondes ou 3 secondes. Ah, c'est beau ça. C'est beau. C'est beau. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Ah. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Guillaume. Ah bah c'est parfait en plus. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, bon, premier, maillot jaune. Après, maillot vert. Encore moi. Tu vas voir, les moyeux. Non mais là ils sont pas sérieux. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Un maillot à poids aussi. Non, bah il y a un bug là. Faut pas voir tous les maillots, c'est pas possible. Espérons que pour lui, il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Ah, j'ai pas le maillot blanc. Des choses. C'est peut-être trop vieux. Je crois que c'est le meilleur jeune, je crois, le maillot blanc. Eh ben, je suis quand même maillot vert, maillot jaune, maillot poids. C'était quasi nul. C'est une performance exceptionnelle. Voulez-vous sauvegarder votre partie? Bah oui. C'est une journée parfaite. Oh putain, elle est extraordinaire celle-là. Et du coup, le premier, c'était qui? C'était Yates. Classement de l'étape. Premier. Ouais, j'ai pas mis de seconde aux autres. Ça de l'équipe. Fernandez de mon équipe, il est arrivé en même temps. Ouais, il y en a que un qui arrive à plus d'une minute, quoi. Donc ça va. Après, maillot de grimpeur à poids, j'ai 5 points. Bon, les autres de mon équipe, ils sont à 0. Maillot vert, je suis à 29 points. Après, dans mon groupe, ouais, il y a 4 points. Maillot vert, je suis bien parti quand même, 29 points, ça va. Classement des jeunes de l'étape. Bah, moi, je crois que je suis pas dedans. Je crois que je dois avoir un vieux bonhomme. Ouais, dans l'équipe, il y en a 0. Donc il n'y a même pas de jeunes dans l'équipe. On est deuxième par équipe à 23 secondes de Jumbo Visma. D'accord. Vliegen. Après pour la compatibilité, je suis cinquième avec 8 km. Alors, le premier, il a fait 148. Donc là, je me suis fait un peu. Ah, ça, c'est tous les ceux qui. En fait, les trois premiers, c'est les trois qui étaient dans l'échappée, quoi. On va faire suivant. Alors, ça va être quoi la prochaine étape qu'on va faire dans la prochaine vidéo? Lorient. Pontivy, ouais. Quand j'ai dit Pontivy, je me suis dit Pontivy, ça n'existe pas. Ouais, Pontivy. Lorient, Pontivy. Ok. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Comme on a le maillot de leader, on va devoir assumer nos responsabilités et assurer le rythme du peloton. Les équipes intéressées par la victoire d'étape devraient nous prêter main forte dans le final. On n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final. Si on veut se montrer, va falloir prendre l'échappée matinale. Bonne étape. Ok. Donc, là, je suis... Alors, classement général. Et le deuxième, il est à 2 secondes. Et après, le troisième, j'ai mis à plus de 12 secondes, quoi. Donc, bon, c'est pas large. Mais ça va quand même, quoi.
Ouais, ça va, je suis content quand même. Bon, ben, on va s'arrêter là. Donc, dans la prochaine vidéo, ben, on fera l'étape Lorient-Pontivy. Donc là, je crois que c'est du plat, mais plat-plat. Donc, il n'y aura pas de montée. Donc, le peloton, il n'y aura pas de cassure, je pense. Donc, voilà. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, ben, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine étape. Salut!